Bonjour à tous, c'est Loué Créa, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Zoo pour la suite de notre aventure sur ce jeu. Nous sommes aujourd'hui en live Twitch. Bonjour à Léo SpaceWell, Anto Video, Raifol, Epsiluna, Bebe 77 et Léo Courtois. Bonjour à tout le monde, à tous ceux que je n'ai pas cités bien évidemment, et tous ceux qui ne sont pas sur le chat. Objectif, finir l'enclos gorille. Bon, il reste pas grand chose, hein. Il reste à mettre à manger, optimisation alimentaire ludique. Et derrière... densifier le sol. Après on pourra passer aux derniers enclos primates, enfin aux autres enclos parce qu'au final on en a fait qu'un, aux autres enclos primates, puis safari, puis hippopotame nain, puis guépard. Et puis fin du jeu. Enfin du jeu, en tout cas bon choix. Ça va être compliqué. Enfin, ça va être chaud parce que c'est les deux derniers lives pour moi, en live en tout cas. Pour vous en vidéo YouTube, bah, il reste encore pas mal de vidéos. Mais ça va être chaud, on va pas avoir le temps. Mais sinon, on continuera le vendredi soir. Parce qu'on va passer sur autre chose. Hein. On va arriver sur une nouvelle quotidienne sur la chaîne YouTube. Sachez-le. C'est ici. Du coup il faut qu'on termine. Il faut qu'on termine. Biome tropical. Continent africain. En l'avant. Continuons. Je t'ai connu avec Planet Zoo, ça va faire bizarre de ne plus t'y voir jouer. Ah ouais, non, mais c'est pour les gens qui m'ont connu sur ça, mais effectivement. Surtout qu'on a quand même pas mal enchaîné. Donc je comprends. Merci beaucoup, Bebe, pour les 100 bits. 200 bits, pardon. Je dois déjà te laisser. J'ai fini le taf. Bon courage à toi et bonne journée. Merci et bon après-midi. C'est drôle. Je te laisse, j'ai fini de travailler. Bah, c'est marrant. C'est marrant. Mais bon après-midi. Merci beaucoup encore pour le soutien et les bits. Je vais mettre ça comme ça ici. Ah ouais, je vais en mettre un peu partout ça. Alors bien évidemment, hein, pour YouTube, qui dit fin Planet Zoo dit pas fin complète. Hein. On reviendra dessus, c'est ce que je disais pour le live. On reviendra dessus, on fera les DLC évidemment. Et c'est pas fou le bananier ici, hein. On va pas se le cacher, hein, mais bon. Pas beaucoup d'options. Et puis on en fera de temps en temps le vendredi soir pour refaire un enclos par-ci par-là, quoi. Mais disons qu'on va limiter. On a plus de 60 vidéos. Il va falloir commencer à penser à faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose en plus. Je densifie un peu comme ça. Pff, je sais pas trop. Je vais peut-être mettre les cailloux. Je vais mettre les cailloux, c'est une idée intéressante. Parce qu'on n'a pas mis de cailloux encore. Et ça peut être... ce qui manque. Ce qui rend vide, c'est peut-être ça. Un manque de cailloux. Après, on n'aura plus qu'à décorer les cailloux. Je vais être perdu, je vais devoir acheter le jeu. Je savais pas qu'il y avait des guépards troates. Ah ouais, il y a des guépards, moi aussi troates. Parce que ça a été longtemps mon animal préféré. Ça ne l'est plus. Il reste dans les top 3, on va dire, mais c'est vrai que ça ne l'est plus vraiment, quoi. J'adore, je trouve ça tellement beau, moi. Mes parents ont un chat un peu maigre qui a une allure de guépard. Tout le monde dit « Oh, elle est trop maigre, elle est pas belle. » Moi, j'adore. Je vais mettre ça comme ça. Ça, ouais, c'est pas si dégueu. C'est pas si dégueu, ça explique un peu le trou, tu vois, on se dit tiens, il y a un trou, pourquoi? Bah parce que, bah en fait on sait pas trop. Mais voilà, en tout cas s'il y a un débordement, ça remplit là. Heureusement qu'il n'y a pas de montée des eaux. Roy a fait une overdose, il est allé à l'hôpital, les médecins lui ont dit que monsieur, il a répondu des ours polaires. C'est quoi ton animal préféré? Ah, j'en sais rien en vrai. J'aime bien les... J'adore les primates. J'avoue que le gorille, l'orang-outan, le chimpanzé... On en avait déjà vite fait parler, mais j'en avais parlé, hein, du coup, c'est ce que je viens de dire. Mais j'aurais adoré si au lieu d'apprivoiser le chien, enfin le loup, pour le coup, qui est devenu chien, on avait apprivoisé des singes. Oh, ça aurait été tellement bien. Se balader avec son petit chimpanzé sur l'épaule, là. Énorme. Alors aujourd'hui, c'est mal vu et on comprend. Mais c'est vrai qu'à l'époque, s'ils avaient fait ce choix-là, je serais pas déçu. Je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas trop ce que je fais. Disons que... Voilà. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. À côté du W, il y a une des flèches. Apparemment, ça change les pierres. Quoi? À côté du W, il y a une des flèches? Comment? Où ça? Quoi? Hein? Ninou Nina qui m'avait bugué. À côté du W, il y a des flèches. Apparemment, ça change les pierres. Ah oui, tab, tu veux dire? Non, voilà. Ah ouais, oui, non, mais non, oui, ça. Ouais, ouais, mais ça, en fait, ça change dans la liste là, quoi. Mais oui, j'ai compris. Merci, merci, merci. Bonjour à l'acteur en live. Oh, il le bêché. Bonjour à Milnezo Soares aussi. Petit passage vite fait pour te souhaiter une bonne année à toi et à tous les chats. Merci beaucoup, Papa Mika. Meilleur vœu aussi à toi, bien évidemment. C'est vrai qu'on est encore la première semaine de janvier. On a jusqu'au 31. On a jusqu'au 31 pour souhaiter la bonne année. Est-ce que quelqu'un... Moi, c'est arrivé à ma famille. Moi non, mais c'est arrivé dans ma famille. Quelqu'un a souhaité... meilleur vœu, je te souhaite une bonne santé. Boum, le lendemain malade. Ah, moi, c'est arrivé. Et là, tu te dis, on a fêté bonne santé. Bonne santé, au final, dans la foulée, c'est maladie. Ça fait plaisir, hein? Forcément. Ouais, je rajouterai des plantes au milieu. Je rajouterai des plantes au milieu. Je vais mettre un peu de roche là. Je vais en mettre un peu ici parce que ça fait vide. Ça fait trop plat quoi. Après, vu qu'on a réussi à créer des chihuahuas à partir des loups, j'ai peur d'imaginer ce que seraient devenus les singes à barbe. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que la modification génétique... Indirecte, on va dire. C'est la sélection. C'est pas fou, hein. Au final, c'est un truc sur lequel on se penche pas. Mais dans le monde dans lequel on vit, où il y a scandale un peu pour tout, si on se posait la question 2 minutes, ceux qui n'ont pas les chiens qui ressemblent à des loups, si vous êtes pour la protection des animaux, c'est peut-être pas... C'est peut-être un peu contradictoire, non? Je sais pas, j'en sais rien. Ça nous choque plus parce qu'effectivement, c'était fait dans le passé et maintenant ils sont là. Tiens, on vit avec. Mais peut-être qu'on pourrait lancer un débat. Je rigole, hein, attention, hein. Ne lançons pas de polémique. C'est pas si mal ça. Je bug ou je ne sais pas, mais je suis invisible. Invisible, c'est-à-dire? Bonjour. Mais je t'ai dit Milnezo Soares. J'ai peut-être mal prononcé. C'est possible. C'est possible. Je vais encore en ajouter un. C'est pas mal ça. Oh la vache! Ah ouais, c'est un endroit pour dormir, mais... C'est très creusé. Hein. Enfin non, c'est pas, c'est un abri. C'est pas forcément un endroit où dormir. C'est s'il pleut, ils peuvent se mettre là. Ouais, 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 si. Ça me va. Tout va bien, tout va bien. Ici, je vais peut-être prendre le cumul là-bas. Pour que mon chien ceci vient d'un loup à la base. Ah ouais, ouais, ouais. Comme les cochons n'existaient pas. C'est l'homme qui l'ont créé. Qui les ont créés. En sélectionnant les sangliers les plus gras. Pour se nourrir. Donc effectivement, ton chien saucisse, c'était à la base un loup. T'es passé à côté d'un loup en tant qu'animal de compagnie. Tu peux être déçu. À choisir, je préfère un loup. Disons que ça en impose un peu plus, quoi. Ouais, ça va. Ça va, ça décore. C'est pas si mal, quand même. Vivelove qui fait le joujou avec le vivant. C'est un peu ça. Qui est en plus en train d'avancer encore plus dans le joujou avec le vivant. Avec les modifications ADN des bébés. Hein? Enfin bref. Moi c'est pas la santé, on me souhaitait plein de bonnes choses. Le lendemain, j'ai gratté toute ma voiture neuve le long d'un mur et j'ai faussé mon... Effectivement, c'est pas fou non plus comme début d'année. Pardon d'en rire, hein. Pardon d'en rire, mais c'est vrai que c'est pas fou. Ça comme ça. Et on va mettre un des petits comme ça. Tu sais que je suis pas si mécontent de ce que je suis en train de faire. Hein. Ça fait son petit effet. Je vais ajouter... alors, ce que j'en mets ailleurs. Ah, c'est vrai que c'est dense par ici. Honnêtement, je pense pas avoir besoin de plus de cailloux. Je vais rajouter un tout petit peu de plantes. Le problème, c'est qu'on n'a pas de plantes au sol quasiment, quoi. En Afrique tropicale. Y'a que les fougères, c'est vraiment dégueu, quoi. Bon, faut vraiment accumuler un max de fougères. Je sais pas trop. Hein. Accumuler les fougères, est-ce que c'est... Oh non, ça... non. Les fougères, je sais pas les utiliser. Je sais pas ce que c'était ce petit cri, mais... Oh, je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas convaincu. Hein. Les fougères, je maîtrise pas. Par contre, j'avais dit de remettre un peu de cocotier parce que j'aimais bien. Quand t'étais là, là. J'avais dit ça rendait pas trop mal. Je vais en mettre encore un ici. Un là avec un droit. Comme ça. Ah bah à la limite je pourrais mettre des fougères là. Oh non c'est pas beau. C'est tout petit ça. C'est pas beau, je sais pas gérer les fougères. Non, non, j'aime pas. Ouais, peut-être plus, quoi. Mais j'arrive pas à maîtriser, quoi. Non, moi, ça me fait rire, mon mec, un peu moins. On sera bientôt dans le film. Bienvenue à Gattaca. Gattaca ? Ah, je connais pas ce film. Bienvenue à Gattaca ? Non, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Alors... Ici, on va ajouter un peu de fleurs. Enfin, de feuilles. Enfin, de trucs, quoi. De verdure. Hein, qui passe à travers la roche. Même si je sais que ça déplaît à certaines personnes. Enfin, c'est pas que ça déplaît, mais en tout cas, c'est peu naturel pour eux. Moi, j'aime bien. La caméra... Oula, oula! Qu'est-ce qui se passe ? Ça vient de là l'expression il gère la fougère. Je sais pas. Alors, si ça vient de là, c'est pas inspiré de moi. En tout cas, parce que pour le coup, on est loin. On est loin de la gérer, la fougère. Si je fais ça comme ça. Merci beaucoup, Galaxy du 84, bienvenue à toi. Film de 97 sur la sélection génétique des bébés. Ah bon? Ah ouais, j'ai jamais vu. Faudra que je retienne le titre. Que je vois si je peux le voir. Ah, il y a des endroits où le sol est vide, quoi. Ça, j'aime bien, ça. Tu vois, ça fait... Ça fait un peu, tu vois, genre un lierre, on va dire. Accroché sur le rocher, quoi. Tu vois, c'est pas que ça pousse à travers, c'est accroché dessus. Même si nous, on sait que c'est un arbre, mais bon. Non, 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 c'est trop ça, c'est trop. Par contre, en mettre un quand même pour être pas mal. Est-ce qu'en mettre plein, ce serait gênant? Et si derrière j'ajoute ça? C'est pas si mal ça. Ça amène un peu de couleur. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Je vais essayer de mettre un peu de couleur ici. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que je peux avoir un angle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais si, ça va. Ça rend pas si mal. Les arbres en mode buisson, ça rend super bien en général. Ouais, je suis assez d'accord. Après, bon, faut bien les maîtriser, puis faut pas trop en mettre. Moi, j'ai l'impression d'en avoir mis un peu de trop. Ou alors, à la limite, ça manque de rouge. Du fait qu'on ait commencé à mettre un peu de rouge, ce serait pas mal d'en continuer, de continuer ici. Ouais, ça rend pas si mal, ça. Ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. On va mettre les optimisations alimentaires. Gorille. Nourriture déjà. On va commencer. Oh, les plateformes, j'ai toujours pas compris le fonctionnement. Donc je vais mettre une plateforme simple sur le devant ici. Je vais pas les mettre trop loin. Histoire que les gens... Ouah, remarquez. On peut, c'est pas gênant. Ça va, ça n'a pas trop modifié le terrain. Tout va bien. Donc ça, c'est source d'eau, conduite d'eau, hein, infinie. Hein. Ça, ils n'ont pas besoin de le remplir. Oh, il y a un gorille ici. Ah, il est parti fuir. Ah ouais, attention, j'avais oublié ça. C'est vrai qu'on a des points de fuite. Je vais mettre un point d'eau là. Et je vais en mettre un autre là-haut. Ah non, bah non. Parce que si jamais ils n'arrivent pas à y aller, un peu galère. Faut que je mette mes cailloux. Pour éviter les points de fuite. J'enlève Afrique. Cailloux. Gorille. Alors, on a un point de fuite ici. Bouge pas, mon grand. On en met un simple, une fois qu'il passe pas, c'est qu'on est bon quoi. Non, c'est pas ça que je voulais enlever. Ah non, bah, je vais enlever le caillou. Ok, ça bouge pas. Enfin, ça fuit plus. Et par là, ça n'a pas l'air de fuir non plus. Tout va bien. Excellent, excellent, excellent. Aïkouma, Tourman. Ah ouais, ok. Faudra que je regarde le film. Enfin, que je vois si je peux le voir en tout cas. Boîte à fourrage. Alors, boîte à fourrage, on va le mettre... Ah, c'est vrai que... je vais le mettre là, tiens. Sur le devant. Ça décore cette zone un peu vide. Et au moins ils mangeront là quoi. Mangeoire casse-tête. Oh c'est trop bien. Ça les oblige à réfléchir. Je sais pas dans quel sens ils l'utilisent mais... Je vais la mettre ici. Histoire que les gens admirent. Le gorille est en train de chercher... comment manger. Ça, on le met là-haut. Normalement, on n'est pas si mal, je pense, en optimisation alimentaire. On va mettre un peu de ludique en mettant un piano là-haut. Histoire qu'il ait un point de vue sur ses fans, quand même. C'est important. Ok. Une bobine. Ici. Un carton. Ici. J'en mets un autre là aussi, tiens. Et puis... Petite balle de glace. Pff, si tu veux. Ici, fais voir. Ah, 94%. Un peu plus de ludique. Bah, je te remets une bobine. Histoire de pas trop mettre de différents. Je te la mets là. 89 ? Bah attends, t'es compliqué aussi. Tu veux quoi ? Tu veux jouer de la musique ? Ici ? Il en a rien à faire. Dis donc ! Je te mets un ballon, mais tu vas la virer aussi. Attends, je vais te le mettre là-bas plutôt. Pas que tu le mettes dans l'eau, quoi. Ok, parfait. La température n'est pas bonne. Attends, on est en Afrique pour les gorilles. Ah oui, c'est là. J'étais en train de réfléchir où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on voit les températures. Gorille, fais voir. 8 à 40, il fait 42, bon ça va, attends, 2 degrés de plus. C'est beaucoup, mais ça va. Bah écoutez, on n'est pas si mal pour... Comment c'est possible ça? Surprenant. Surprenant. On n'est pas si mal pour l'enclos gorille. On a réussi à densifier un peu le sol. On a mis de quoi manger, de quoi boire, de quoi jouer. Ça fait un semblant de jungle, quoi. À la limite, un grand capoquier, là, dans le fond. Je pense que ce serait pas de trop. Un capoquier. Je pense que ce serait pas de trop. Mais pas le plus grand, le plus petit. C'est lequel, le plus petit? C'est lui. Histoire que de là-bas, vraiment, on se dise, waouh, c'est la jungle. Voilà. J'irai peut-être même jusqu'à le décaler un peu, lui. Comme ça. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Petite sauvegarde. Excellent. Le roi lion. Sauvegarde. Ok. Bonjour à Ted TW. Bon, on est bien. On est bien. Bon, du coup, la suite, c'est objectif enclos Vari Roux et les murs, qui va être ici. On est d'accord que les deux des espèces ne nagent pas. Probablement pas. Où est-ce que j'ai mis le mur là? Ici, là. Ouais. On verra bien. On verra bien. Du coup, l'objectif achat, évidemment, des espèces. Hein. Buffle, pas du tout. Vari Roux, bonobo non. Pangolin, ours noir, panda, flamand, grizzly, ours, éléphant, rhino, varan, panda, Vari Roux. Et les murs. Excellent. Alors on va prendre un lémur. Ah, combien ils peuvent vivre? À combien ils peuvent vivre? On va en mettre un max. Hein. Je vous le dis. Lémur. Oh la vache! Ah oui, d'accord. Un mâle, 29 femelles. Vari Roux. Oh, bah attends, on va tout prendre, quoi. On prend le meilleur mâle possible pour les deux espèces. Je préfère la fertilité. Tac, et après on prend full femelle. Hein. Adopter. adopter, adopter, adopter. Parce que je le rappelle, si jamais vous n'avez pas suivi, optimisation interespèces, les murs Catta et Vari Roux peuvent vivre ensemble et ont des bénéfices en vivant ensemble. Eh bien écoutez, il est grand temps de venir dans votre nouvel enclos, mais pas encore fait, mais il va arriver. En attendant, le temps qu'ils arrivent, je vais rajouter des bâtiments. Des bâtiments. Je vais peut-être virer une hyène. Hein. Je vais peut-être virer une hyène, parce que les combats, c'est bien sympa, mais... Oh, les gorilles. J'ai hâte de voir un bébé gorille. Oh, je vous le dis. Ouais, toi, tu vas décéder, toi. Bah, pourquoi tu meurs pas? Toi, t'es au bout du rouleau parce que t'as faim. Je te vire, toi. Ah, elle est vieille, de toute façon. Comme ça, on n'a plus qu'un mâle, une femelle adulte et un bébé. On est pas mal. Oh, Sarabi et Mufasa, on est obligé de les virer. Non, on peut pas les virer. Ils vont rester comme ça. Bon, tant pis. Ils vont rester comme ça. On est obligé de les garder. On va pas virer Mufasa et Sarabi. N'importe quoi. On peut pas faire autrement. Obligation de les garder. J'achète. Si on peut remplir le truc, ce serait énorme. Merci beaucoup, qui c'est? Juju Gofer, bienvenue à toi. Coucou, coucou tout le monde, comment ça va? Salut Kev, je vais très bien, j'espère que tu vas bien. Chaque fois que j'ai fait des enclos Vari Catta, ils ont fini par mourir de faim sans raison. Le palme revenant au dernier que j'ai fait, où les Cattas sont morts de faim 5 minutes après avoir été mis dans l'enclos. Bonjour Aniya, je vais très bien. J'espère que tu vas bien, toi. Alors, je sais pas. Est-ce que... Ah, moi, ce que je vais faire, c'est ce que j'allais faire. Je vais dédier un soigneur à l'enclos. Je vais peut-être même en mettre deux. Peut-être même en mettre deux. Cabinet vétérinaire. Pourquoi? Parce que... il va y avoir du monde. Potentiellement 60 espèces dans l'enclos. Ça peut commencer à faire beaucoup. Donc si je mets un bâtiment là tout de suite. Tac. Cabinet de veto. Derrière, je mets un centre d'échange. On sait jamais. Ça peut être utile. Je vais le mettre ici dans l'angle. Comme ça plutôt. Tac. Centre d'échange, à la limite, on s'en fout, je pense. Cabane de soigneurs. J'en mets une, forcément. J'en mets une grande. Grande cabane de soigneurs. Tac. Ah, moins que... Attendez. Attendez. Une idée me traverse l'esprit. Hop. Je mets une grande salle du personnel. Oh, celle-là, je peux la mettre ici, je pense. Je sais pas, j'hésite. Parce que ça aurait été cool à la limite de leur faire une petite place. Ouais, mais ils s'en fichent de la place. Ouais, c'est vrai. Je vais mettre là. Tac, comme ça. Zone de quarantaine, ça devrait le faire. Centre de recherche, on n'a pas besoin au final. Petite salle du personnel, petite zone de quarantaine. Ok. Et je vais rajouter un cabinet de vétérinaire ici. Je vais le mettre comme ça là. Avec une grande cabane de soigneurs. Tac. On va ajouter maintenant zone de travail. Créer une nouvelle zone. Et ça va être Varu. Les Vari et les Varures. Vari et les murs. Hop. Très bien. J'embauche le personnel nécessaire à l'entretien des espèces. C'est où? À l'entretien des espèces. Donc on va prendre un agent d'entretien. Voilà, au moins c'est fait. On va prendre 2 soigneurs. Parce qu'ils vont potentiellement être très nombreux. Hein, donc je vais même en prendre 3. De toute façon, on en est limité. On en prend 3. Un mécano. Un veto. Ouais, un veto. Un veto. Du coup, Humphrey, toi tu vas partir chez les varures. Soigneur, je vais en mettre 2 chez les varures. Enfin non, 3 j'avais dit. 3 chez les varures. Mécanicien, varure. Agent de sécurité, on s'en fout. Vendeur, on s'en fout. Et un veto chez les varures. Hop. Très bien. 60 individus de 2 espèces. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, non, pardon. À chaque fois, je confonds les deux. Ouais, non, mais pardon. 60 espèces. Ouais, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Le pire, c'est qu'ils avaient leur propre soigneur, cabane de soigneur à 2 mètres, et dans le doute, le temps que le soigneur arrive avec son seau, j'avais ajouté un bloc de glace avec des fruits auxquels ils ont refusé de toucher. Ah, d'accord, d'accord. Je vois le genre. Ça fait partie des incompréhensions dans le jeu. Mais, quoi? Oh non. Oh non. Ils peuvent pas descendre. Ils sont sérieux? Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais tu mets une paire de bottes et tu traverses? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Bon, tant pis, c'est supprimé. Je peux pas les remplir. Ils pouvaient passer là, mais... Mais les bébés hippo aussi, du coup. Et si je décale ça? Tu passes là? Non, tu passes pas. Attends. Quelle galère. Je vais mettre 16 et 13. Merci beaucoup, Manoured. Bienvenue à toi. La peur de l'eau. Ouais, non, mais c'est insupportable, ça. Ouah, pff, tant pis. Tant pis, c'est supprimé. C'est supprimé. Si nos hippopotames meurent de faim, ce sera de la faute des soigneurs. Bien-être fait. Bah attends, on vient d'arriver. Oh la vache. Fais voir un petit peu à quoi tu ressembles. Jeune Vari. Oh. C'est surprenant. Hein, t'es trop petit, on peut même pas baisser la caméra. Coucou. Oh. C'est vrai que ça a un air de lémurien. Ça va être la même espèce, non? Non? Enfin, faire partie de la même famille? Vari Roux et Lémur. Lémur. Ah, ils sont déjà en train de se barrer. Attention. Attention, je sais plus comment tu t'appelles dans Madagascar, mais vous êtes drôle dans Madagascar. C'est tout ce que je peux dire. Attends, tu es en train de te barrer? Il y a un point de fuite là-bas. Là-bas, tout va bien. Donc ici, point de fuite. C'est quoi? Ah, oh, c'est tropical aussi. Non, on va se galérer à faire un truc, quoi. Je vais leur mettre un rocher. Pour les empêcher de fuir. Et si de toute manière les varis, enfin les lémurs ne partent pas, les varis ne devraient pas partir non plus. Calcul, tout va bien. Toi tu sors d'ici. Touzazigwe, sors de là. Alors, hippopotame va s'accoupler. C'est Julien dans Madagascar, il me semble. Ah, tu crois? Ah, pour le coup ça me dit rien. C'est possible. Hein. Bonjour Antiwak. Du coup, enclos Vari. Alors, enclos Vari, qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, on va faire le terrain d'abord. Bon, ils veulent de l'escalade, c'est pas étonnant. Bah, c'est la même espèce, pardon. Les murs. Oh, beaucoup de terre. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais c'est Madagascar aussi. Forcément. Du coup terrain un peu plus orangé, quoi. Bah, bouge pas. Bouge pas, on va te mettre... Alors, je vais laisser de l'herbe ici, au bord de l'eau. Et on va partir sur plus full terre, là, dans le fond. J'ai ajouté un peu d'herbe longue cas où ils auraient envie de jouer quand même un peu, tu vois. En plus, ça varie un petit peu la couleur, on va dire. Au niveau du terrain, on est bien. Au niveau du terrain, on est bien. Est-ce qu'ils grimperaient, eux, là? Attends, je peux en mettre un avec les gorilles? Ça fait quoi? Ils vont pas le prendre et le couper en deux. C'est pas les God of War. Ça, c'est pas les Kratos. Si j'en envoie un chez les gorilles. Juste pour voir s'ils grimperaient dans l'arbre. Juste pour tester. Ils le font là? C'est bon, il arrive. C'est la guerre gestante. Moi je dis Gore nommé un mâle hippo moto. C'est dans Madagascar ça? J'avoue que j'ai pas forcément les références. Hein. Madagascar, j'ai dû voir les deux premiers. Trois peut-être? Premier? Combien il y en a? S'il y en a trois, je les ai pas tous vus. J'ai pas dû voir le dernier. J'ai vu le premier sûr. J'ai vu après lesquels c'est, je sais pas exactement. Mais... j'ai vu celui dans l'avion. Enfin, où il y a un avion. J'ai vu celui où ils sont en ville, là. 3. On fait voir un petit peu Mijoro. Mijoro. Attention parce que t'es mon seul mal. Hein. Va pas te faire couper en deux par les gorilles. Tac, fais voir où tu peux aller. Calcule un petit peu ton itinéraire. GPS en cours. En vrai, t'es bien, hein. Tu peux aller nulle part, là. Figé, stressé, paniqué, c'est la chèvre. Attention, il l'a vu là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout petit ça. Mais pourquoi on voit pas Ah voilà. Tu vois? Ah bah voilà, tu vois, eux ils y vont. Bah moi je vais leur mettre le truc. Hein. Je vais leur mettre ça. Hein. Regarde, eux ils posent pas de problème. Hein. Je vais leur mettre ça. Hein. Je vais faire un copier-coller. Hein. C'est un gain de temps monstrueux. Et en plus c'est joli. Et du coup utilisable. Non, touche-le pas. Laisse-moi un animal dangereux s'est échappé. Mais c'est pas possible! Il est passé par là. Oh là là. Mais c'est un hippopotame, c'est tout mignon. Ça dérange personne en vrai. Yazid. Regardez-le. Est-ce que vraiment vous avez peur d'un hippo? Je peux le comprendre. Tu as dû voir les deux derniers. Ah bah, non, je les ai peut-être tous vus là. Bonjour Alpha. Bonjour Alpha, comment vas-tu? Bon alors du coup... Réfléchissons. Terrain. Est-ce qu'on... J'ai envie de reprendre la même chose en vrai. Hein. Je vais prendre ça. Hein. Mais vraiment, je vais prendre ça, ça, je vais prendre ça. Ah bah non, je peux pas. Si, je vais prendre ça, 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 ça. Attends, prends ça, ça. Je vais copier-coller et après je vais gérer le terrain en fonction. Au moins ils auront. Oh non. Bah pourquoi? Plus d'un bâtiment? Ah. Bah non. Ah d'accord. Ah attends, quitte... Ah bah si. Ça. On va s'arranger. On va s'arranger. Dupliquer. Puisque de toute manière c'est tropical pour tout le monde. Alors comment on a envie de les voir? On aurait peut-être envie de les voir comme ça. Comme ça, il y a le pont ici, et quand t'es là, bah, tu pourrais voir le pont. Donc moi j'ai envie de les voir là. Comme ceci. Peut-être pas trop non plus sur le côté. Parce que sinon, problème de fuite. Je vais peut-être même décaler un peu parce que sinon... Sinon problème de terraformation quoi. Ok. Tac. Attends. Tac. Tac. Ah bah non, c'est vrai que je peux pas. Bon, bouge pas. Je vais mettre Habitat. Abri. Je vais leur mettre un grand abri comme ça. De hauteur à peu près correcte. Je pense qu'on n'est pas si mal. On va essayer de centrer l'ensemble globalement. Vite fait quoi. Je vais boucher, c'est pas grave. Ouais. Et toi, je te duplique. Viens par ici. Hop, rotation. Là. J'aime. Eh, je suis assez content de ce petit pont. C'est la seule construction que j'ai faite. Mais elle est pas... Elle n'est pas complètement ridicule. Non. Comme ça. Là, ça touche. Oh, ça touche, mais c'est parfait. Alors, bouge pas. Juste incliner un tout petit peu... Comme ça, je décale et comme ceci. Ok, c'est pas si mal. Les hippopotames sont loin d'être gentils, mais ils sont très gentils les hippopotames. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils peuvent sauter vers la route. J'ai des lémures qui montent sur un arbre pour sauter par-dessus mon fossé. Ah bah on va voir. Est-ce que déjà là ils grimpent? Est-ce que ça grimpe sur les capoquets? Là, ça grimpe pas. Donc déjà, ça, c'est positif. Après, bon, c'est pas des suicidaires non plus. Ils vont pas se jeter là, quoi. Si? Non. Tout va bien. On a confiance. On a confiance. Du coup, bah, je vais faire la petite montée ici. Hop. Qui permet... Attendez. Je vais plutôt mettre des trucs d'escalade. Petits et grands, peu importe. Mais simplement qui pourraient potentiellement leur permettre d'atteindre ce haut-là. Et après, je fais la terraformation en fonction de ça. Ce qui fait qu'on n'aura pas une grosse butte. On aura simplement... un truc à peu près logique, quoi. Hop. Comme ça. Comme ça, on leur met full escalade. Et on fait différemment ce qu'on a l'habitude de faire. Ça, c'est pas mal, ça. J'arrive déjà à la hauteur souhaitée, quasiment. Attends, bloque ça. Caméra. Comment je pourrais... Si je... Tourne. Comme ça. Ce qui fait qu'en ajoutant un truc, ils pourront passer là. On va déjà faire ça. Monter le terrain histoire que ce soit pas dans le vide. Les visiteurs peuvent entrer dans l'enclos. Ah, c'est possible ça, effectivement. Mais tant pis. Tant pis parce que j'aime bien ce que je suis en train de faire. Ah. Non, trop grand, trop grand, trop grand. En décorant l'ensemble. Ça peut avoir son petit effet. Hein. Si j'ajoute. Il n'y avait pas un truc. Il n'y avait pas un arbre. Ah, il y a ça. Ah, mais c'est trop bien. Je vais mettre ça. On l'avait mis pour les orang-outans, ça. Il me semble. Il n'y avait pas un arbre. Il me semblait qu'il y avait un arbre. Un arbre avec... Oh. Ce sera pour les bonobos, ça. Ça, je le mettrai pour les bonobos. Rappelez-le moi si j'oublie. Il n'y avait pas un arbre. J'étais persuadé qu'il y avait un capoquet avec une construction... Ah, je l'ai peut-être supprimé. Je vais peut-être supprimer. C'est possible. Bonjour Vigie. Comment vas-tu? Un peu grand, quoi. Un peu grand, un peu grand. Ça, c'est ce que j'ai mis. Ça, c'est grand, grand, quand même. Ça, ça peut... Ouais, c'est pas mal, ça. Comme ça. Terrain. Comme ceci. La caméra, pardon. Au moins, au niveau escalade et normalement abri, ça devrait être bon. C'est grand ce que je fais, c'est dingue. Voir un petit peu. Comment vous sentez-vous? Abri, on est bon. Escalade, on est bon. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, où allez-vous? Vous grimpez là, vous grimpez là. Vous pouvez grimper ici. Hop, tac, tac, tac. Vous pouvez arriver là. Ici, j'avais dit de rajouter une barre. Je vais la mettre tout de suite. Petite barre trompe-perchoir, 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 trompe-perchoir. C'est que des trompe-perchoirs, en fait. Attends, vire ça. J'ai peut-être pas besoin de 2 mètres. J'ai peut-être besoin de 2 mètres. Ouais. Je vais peut-être mettre un gros aussi. Oh non, un petit c'est bien. Un petit c'est bien. Comme ça. Play. Les murs. Fais voir. Hop, ça grimpe ici, ça grimpe. Hop, tac, tac, tac. Et par contre, là-bas, ça n'y va pas. Par contre, là-bas, ça n'y va pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est une mangeoire. Et les mangeoires, de toute façon, sur perchoir, elles servent à rien. Parce que je sais pas comment faire en sorte que nos employés... l'utilisent. Enfin, aille la remplir. Donc si je mets ça, normalement, là ça enchaîne. Boum, parfait. Et là ça grimpote, ça grimpote. Ça peut même sauter, incroyable, sur le pont. Et il n'y a pas de point de fuite. Que demander de plus? Au niveau terrain, on a 458 mètres carrés d'escalade, ce qui veut dire que quand on aura les 30 pépères, on en aura assez. Enfin, on aura... oui, on en a assez, quoi. C'est bien, moi j'aime bien. C'est quoi la touche pour inclure la culture? W, ouais, c'est ça. T'as une chaîne YouTube? Ouais, elle est en dessous du live. Si tu veux cliquer, tu cliques sur le logo YouTube et t'auras accès. Sinon, tu mets les points d'exclamation YouTube. Et normalement, t'auras le lien. Ah bah, Glemsart l'a mis, ça, certainement. Bonjour, Loué Créa, comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est bien, ça. Parfait, ça. Ce qui fait qu'on va pouvoir... ensuite, ajouter... Alors, peut-être continuer un peu de terraformation quand même, parce que là, c'est tout plat. Et potentiellement, j'aurais bien envie de mettre un lac ici. J'ai bien envie de mettre un lac ici. Je vais mettre un lac ici. Oh, peut-être pas si grand. Oh, remarquez, surtout une question de profondeur, hein, si je fais ça. Profond, ça, beaucoup profond. C'est peut-être ouais, c'est pas si mal, ça. C'est pas si mal. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi ça s'existe pas? Est-ce que je la remettrais pas à un îlot? Est-ce qu'on n'ouvrirait pas encore ici, là, pour que les gens puissent observer? Ah, oh, mais si, on va faire ça. Mais évidemment. Point de vue. Point de vue. Ils nagent pas, donc on peut leur ouvrir la zone. Et ici, on viendra mettre des cailloux pour les empêcher de venir ici. Ici, je vais leur mettre un petit îlot central. Rapide. Plus on a de points à l'eau, au final, et mieux ce sera. Puisqu'on n'aura pas besoin de mettre de forêt. Lycée. On va pas avoir de problème particulier à poser l'eau. On a le VARI ROUX qui va nous gêner, mais en dehors de ça, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Comme ça. Toi, tu as bougé. Excuse-moi, t'étais parti, je sais pas trop où, mais... tu me gênes. Terrain. Allez, l'eau. L'eau. Nice. Oh non. C'est en dessous du niveau de l'eau, ça. Parfait. Ce qui fait. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que je n'ouvrirai pas aussi ici, quoi? Comme ça, les gens arrivent là et c'est tout de suite ouvert. Ah, peut-être. Hein. Ça peut avoir son effet. Ça peut être cool. Jusqu'ici, par exemple. Peut-être très épais, à la limite, on peut peut-être faire un peu plus fin. Le problème, c'est que quand on va lisser, ça va certainement... Ah non, oh, ça sélectionne pas. Ah, ça a tendance à vouloir reboucher, quoi. C'est pas fou. Mais l'eau. qui fait qu'ici, je mettrai un petit truc de... tout simple. Ah, peut-être en plus petit encore. Je vais mettre ça. Non, je vais mettre après. Je vais mettre après. Oh, c'est bien ça. Si je le mets dans l'eau. Ça leur fait un plongeoir. Et je mettrai un arbre. Je mettrai un arbre. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je fais une sauvegarde. Et pour l'instant, je suis pas mécontent de l'enclos. Surtout avec la vue sur la jungle du gorille. Ça rend pas si mal. Si jamais, normalement, les soigneurs arrivent à passer sur des ponts en pierre du moment que les animaux y passent eux aussi. C'est plutôt sympa quand on aime avoir de jolis ruisseaux dans un enclos. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise habituellement, mais c'est pas faux. C'est pas faux du tout ce que tu dis. On pourrait potentiellement y penser pour après. Là, je vais accidenter simplement, mais pas trop. Histoire que ce soit pas full plat, quoi. Voilà, ça change tout. Ça change tout. Et puis, bah, on va mettre des arbres. On va mettre des arbres. Je vais ouvrir. Pour pouvoir avoir les points de fuite. Qui seront partout, hein, forcément. Mais si je bloque ici, déjà. Nature. Nature, rocher. Alors, par contre, c'est des vari roux et des lémurs, donc ça risque d'escalader un minimum. Donc, pensons à mettre des trucs assez gros qui les empêchent clairement de passer. Genre ça, déjà. C'est pas mal. Et là-bas, au bout, ça fait beaucoup de murs à ajouter. Enfin, beaucoup de pierres à ajouter, hein. Comme ça. Bon, ils vont pas grimper là. Ils passent pas là. Ils passent là. Ça va ? Ah, oh. C'est ça. C'est ça qu'il il passe avec ça. Non mais c'était une tentative. Il passe encore. Pourquoi? Parce qu'il passe sur, il grimpe sur le bord des racines ici pour sauter là-haut. Ce qui voudrait dire que si on fait ça et qu'on ajoute simplement ça, normalement ils n'ont plus accès à là-haut. Normalement. Parfait. Donc ça c'est le vari, on va vérifier quand même le lémur, même si je pense que c'est pareil. Excellent. Ah, à cause de l'arbre, ouais c'est ça, c'était les racines. Tu leur fais de monter, ouais, du coup, ouais. Du coup, ils grimpent sur le bas des capoquiers. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, au niveau des arbres, Afrique, on va leur mettre ici probablement un peu plus de style cocotier. Je vais simplement leur mettre un arbre un peu vert. Parce qu'ici, je vois bien un arbre vert. Oh, je... Peut-être un peu grand. En même temps, si t'es là, tu les vois passer là derrière. Hop, redescendre. Et potentiellement, ils grimperaient sur l'arbre. C'est escaladable, celui-là. Escaladable. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. En mettant un peu de pommier. Histoire de décorer la zone. Ah, c'est pas censé être un endroit où ils posent les pattes au sol, quoi. Est-ce qu'ils y ont accès? Non. Ah, très bonne remarque. Très bonne remarque. Personne ne l'a dit, si? Je sais pas. Mais en tout cas, je viens d'y penser. Donc effectivement, ils n'y ont pas accès. Donc il va falloir simplement leur faire un petit pont. Un petit pont en escalade. Avec le système des ponts faits comme ça, là, j'aime bien ça. Ah là, ça c'est bien ça. Ça c'est simple, c'est efficace. On apprécie l'idée. Si je fais ça comme ça, là. Ça sert à rien ça. Si je fais ça. Ce qui est dommage, c'est que l'eau est trop profonde. Mais c'est vraiment un problème. Tac. Non. Ce qui fait que normalement il devrait passer. J'ajoute simplement au fond un caillou, histoire que on se dise pas tiens ça flotte. Faut qu'on mette un traitement d'eau aussi, hein. Et là normalement ils y ont accès. Oh, parfait, parfait. Ah, par contre ils ont pas accès là-haut. Ils ont pas accès là-haut. Bah à quoi ça sert de faire un truc pareil s'ils y ont pas accès? Habitat. Je vais remettre un... Je vais remettre une barre. Hein. Si je mets ça. Il passe là? Ah bah voilà. Parfait. Alors du coup, à la limite, ça serait peut-être mieux de l'autre côté du coup. Ah, attends, vers ça. Play. Excellent. Excellent. Oh, ça va être trop bien de voir ça, non? Sauvegarder. Roy, on a une streameuse de qualité, Yudoku, de Planet Zoo, et tu ne dis pas bonjour, regarde ton chat. Ah, j'ai pas vu, ça rend trop bien. Merci beaucoup, bonjour Yudoku. Comment vas-tu? Merci. Non, pardon, j'étais concentré sur ce que je faisais. Excusez-moi, je... My bad. Mais comment vas-tu? Bienvenue. Bienvenue. Biome. Non, continent. Afrique. Ici. Du coup, on va mettre un peu de cocotier. Ça rend bien. Attends, et en plus on est qu'au début, on n'a même pas encore décoré, quoi. Ça va et toi? Non mais aucun souci. Non mais pardon, quand même. On s'excuse, on s'excuse. Je suis concentré, c'est de la faute du chat de toute façon. Il me perturbe à chaque fois. Du coup maintenant je les lis plus, comme ça c'est réglé. C'est pas vrai, je me trouve une excuse. Qu'est-ce que je cherche? Les cocotiers. Les cocotiers, où est-ce que je l'ai mis? Mais du sable. Du sable? Ah ouais, peut-être intéressant. Tu vois, je lis le chat. Du sable. Mais du coup, ça me perturbe. C'est ce que je dis. Oh, par contre, on a trop d'herbes courtes. Parce qu'on a viré de l'eau. Enfin, on a viré du sol puisqu'on a mis de l'eau. C'est pas grave. On va ajouter du sable, effectivement. Sable fin, grossier. Ah, grossier peut-être. Ouais, grossier. Remarque, c'était pas si dégueu, hein. Le sol aride comme ça, sec. Oh, quoique. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Mauvaise foi, un petit peu. J'adore cet enclos. Ah, bah, merci beaucoup, Vigie. Alors, bah, pour le coup, on est parti de rien, hein, parce que j'avais pas d'idée. Je suis parti simplement de ça là au final, puisque ça me faisait gagner du temps. Donc tant mieux. Ok, parfait. Ouais, c'est trop bien. Est-ce qu'on se croirait pas à Madagascar? Cocotier. Je vais en mettre un peu sur l'extérieur. Je vais leur mettre un... Les humains grimpent pas sur les arbres pour rentrer dans les enclos de toute façon. C'est vrai que les humains passaient dans l'enclos. Hein. Non mais tu vois, ça ferait moins bien je trouve. Si j'avais pris le temps de faire en sorte que les humains puissent passer, ça ferait moins beau. Je sais pas trop ce que je fais là. Non, ça c'est pas beau. Ah. On se rend compte que ça prenait quand même une importance. Ouais. On peut laisser comme ça pour l'instant. S'il casse peut-être. Ouais, peut-être. Tous les jours, je grimpe aux arbres. Bah écoute, c'était un loisir comme un autre. Hein. Moi, j'aime bien aussi. Je le faisais plus, mais je le faisais. À une époque. Je sais pas. Il manque des baobabs. Alors, baobab, il y en a pas. Bah, c'est vrai que... Attendez. C'est pas sur les murs que j'ai vu un baobab au fond? Non, c'est un caillou. C'est un caillou. Ça va, sur leurs images, ils respectent un peu. Cocotier. Ah, je sais pas trop. Hein. Je vais en mettre un peu et puis on verra bien quoi. Là, je veux pas que ce soit jungle. On les voit dans la jungle et les murs et... Je sais pas. Hein. Je trouve que j'ai pas de jungle chez moi. Donc. Bon, ça continue de me plaire. Mais qui s'est posé une fougère avec ça, en faisant en sorte que ça rentre bien? Fougère, c'est toujours dégueu, j'ai l'impression. Tu la poses comme ça, quand tu fais en sorte que ce soit beau? T'en rajoutes plein autour? Non. Les fougères, je sais pas le maîtriser. J'ai pas le niveau pour les fougères. Un capoquier. Est-ce qu'on en remet un? On peut en remettre un. On peut en remettre un. Je sais pas trop ce qu'il fait là, mais Attendez. Non, mais j'ai une idée. Si je fais en sorte... De toute façon, je peux avoir un full terre. Eh, hey, j'ai même pas de roche. Attendez, je mets de l'effet roche aussi. Parce que l'effet roche aura forcément un... Changera encore plus l'impact de cette falaise. Extraordinaire. Ah, non. 2. Comme ça. Ouais, pourquoi pas. Si. Où est-ce qu'on enverrait aussi? Là. Ouais. Ça va. Tu grimpes ici, toi? Tiens, mais ici, tu pourras pas. Tu peux, hein, mais... Ouah, non, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau. Bah, écoutez, on n'est pas si mal. À ce niveau-là, en tout cas. Je vais rajouter un peu de terre. C'est quoi, ça? C'est de l'herbe courte? Je vais rajouter un peu d'herbe courte, ici. Et là, je vais mettre de la terre... qui vient... C'est quoi ça? C'est terre légère ça? C'est quoi ça? Ouais. Ça, ça explique pourquoi... Hop, ici c'est aride. Hop, après ça vient... Ça vient par ici. Les deux enclos sont mariés. Hein? Ce qui fait que là... On peut laisser comme ça. Je vais mettre de l'herbe longue. Hein. On peut laisser comme ça, c'est pas gênant. Et ce qui fait que là-bas, c'est le début de jungle, on va dire. Ils auraient mis leurs déchets partout en plus. Deux, comment? Ah, j'ai oublié ce que je disais, pardon. À Madagascar, il y a un côté jungle et un autre côté désert, donc à toi de voir. Je parle de l'île. Ouais, ouais, non, mais j'avais compris. T'inquiète. Mais du coup, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Alors, c'est sur une version miniature. Puisque là, je vais faire la partie un peu jungle. Qui rejoint du coup la partie jungle ici. Tiens, je rajoute ça là. Hop. Et là, la partie désert qui est un peu plus désert ici. Et qui vient rejoindre les petits cocotiers là. Quoi. Je sais pas trop. Ça, je vais mettre comme ça pour l'instant. Et je vais ajouter tout de suite... les pommiers. Ah, un petit peu de... Un petit peu de truc au sol, quoi. Des mangroves, il y en a, vraiment? Non. Ah, manglier de pommes, par contre. Ah ouais! C'est bien ça. Manglier de pommes. J'ai oublié cet arbre. Il fait son effet aussi lui. Si j'en mets un là-dedans. Sans. Avec. Et je vais le mettre là. Comme ça. On met comme ça. Ouais, ça passe, ça passe. Ça le fait trop en vrai, mais les enclos sont tout pétés à côté. Bah, en vrai, on me dit souvent que mes enclos sont bien. Moi, j'ai pas... Je trouve pas. Bah, j'aime bien ce que je fais, tu vois, mais... Mais quand je vois, la team qu'il y a sur YouTube, là, quand il s'appelle... des lady designers ou je sais pas quoi, avec... Il y a un Rudy, je sais pas quoi, aussi. Enfin, eux, ce qu'ils font, c'est encore un cran au-dessus, quoi. C'est abusé. Alors par contre... ouais non, ça c'est pas beau, déjà. À la limite un seul, ouais. C'est quoi celui-là? Non, je vais pas mettre celui-là. Je vais mettre le grand. Mais ouais, il faut tenter, quoi. Il faut tenter. Moi, je m'inspire de la nature. Je suis incapable de faire un enclos. Moi, ce que je fais, c'est une représentation de la nature. Je fais une réserve naturelle. Par contre, un enclos... Pff. Je suis incapable de le faire. Non mais c'est pareil ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mis comme ça à un endroit, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a autour? Comment tu peux en faire quelque chose de ça? Bah je vais attendre. Je vais mettre des fougères avec. C'est les deux trucs que je sais pas faire. Oh! Ça ressemble à rien. C'est compliqué. Il n'y a pas assez de trucs en tropical, hein. Afrique. Enfin, en tropical, il n'y a rien de toute façon. Enfin, si, il y a ça, mais... Bananier. Ah ouais, des bananiers. On fait les bords de rivières sont trop anguleux. Ouais, mais après le problème... Ouais, non, je pourrais. Je pourrais. Bah, en fait, c'est... C'est l'eau, hein, parce que, regarde, là, c'est propre, hein. C'est propre, là. Hein. C'est l'eau qui vient se poser... En triangle, quoi. Alors là, peut-être effectivement qu'on pourrait améliorer. Bon, c'est pas si grave. Si tu regardes de là. Qu'est-ce que c'est que cette petite... Ah non, j'allais dire qu'est-ce que c'est que cette lumière, mais... C'est l'espèce. Ouais, bon, ça va, hein. Quel dommage que j'ai pas pu tout enchaîner, quoi. En vrai. Si j'avais tout fait en fond avec mon autre enclos... J'ai fait une sauvegarde, ça frise. Si j'avais tout enchaîné avec mon premier zoo, là, que j'ai perdu... Ça rendrait tellement bien, maintenant. Ils ont quoi en espace au final? Ah, 3600 sur 200. Ah oui, d'accord. Ah oui. J'ai vu peut-être un peu beaucoup. Fais voir. Achète, achète. Tu me prends tout. Tu me prends tout. On met fou l'espèce. Après, un désert c'est désertique. Hein, donc il n'y a rien. On vient d'apprendre quelque chose. Je vais mettre un caillou. Celui-là. Ou alors je leur mets de l'escalade. Ah ouais. Ah peut-être. Ah ouais, attends, j'ai une idée. Alors là. Oh là là, mais attends, mais ça va être trop bien. Ça va être extraordinaire. Qu'est-ce que je cherche? Celui-là? Ah, celui-là. Attends, mais c'est tout simple en fait. Non, mais c'est pas beau. Ça. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Oh, en plus, c'est quasiment à la bonne hauteur. Toi, tu vas venir ici. Fais voir. Attends, je vais faire X. Comme ça, je leur permets de monter sur le rocher. Tac. Et ils viendront... Ils viendront de l'autre rocher. Incroyable. Ouais, bon, ça, c'est compliqué à faire, en fait. Il grimpe sur ce caillou là? Oh, il grimpe pas. Ah bah si. Ah bah parfait. Il grimpe pas ici. Hop, tac, 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 tac. Hop, ils peuvent aller là-haut. Et ils pourront venir se poser là. Pour regarder ce qui se passe. Oh bah trop bien quoi. Je refais une sauvegarde. Ah, je suis stressé maintenant avec le jeu. T'en fais une fougère. Ah, c'est vrai. Attends. Quelle idée. 6 casses. Ah ouais, mais tellement en vrai. Oh, je vais la mettre là. Ah, oh, mais ça ressemble carrément à une fougère. Où est-ce que je la mets? Ah ouais, ici. Ah, oh, ça c'est dense. Celle-là, elle est bien. Oh ouais, mais parfait quoi, bravo. Bah en fait c'est ça au-dessus. Ils ont mis une fougère au-dessus d'un tronc quoi. là du coup. Ici tu poses pas tes pieds là. Non, non, t'as pas le droit. C'est une zone d'escalade. Bah c'est parfait quoi. Ça. C'est un peu grand. Hein. On n'est plus en Afrique par contre. Continent. Afrique. Ah c'est vrai que les lianes j'utilise pas. Hein. Il y en a sur le pont que j'ai fait quoi mais... C'est quoi ça? Ah oui c'est vrai. Bon on n'est pas si mal hein. Ici ça manque. Ici il manque quelque chose. Qu'est-ce que je mets ici? Si je rentre un capoquier ça fait quoi? Oh, oh non. C'est trop quoi. Attends, fais voir. C'est trop quoi. Trop grand. Non. Pardon, hein, je réfléchis, excusez-moi, je parle plus. Là, là, les deux se rejoignent, là. On se fait à la bise. Je sais pas pourquoi j'en mets toujours 3 de cocotiers. Là, pour le coup, ça rend pas mal. Ah, attends, ouais, du coup, je vais mettre un caillou. Avec de la fougère autour. Puisqu'on n'a pas d'ortie. On va mettre de la fougère. Enfin de la fausse fougère quoi du coup. Je vais mettre du côté un peu plus vert. Oh mais... C'est la meilleure utilisation quoi. Parfait. Il grimpe sur les lianes là? Ça les amène nulle part, mais ils peuvent aller se prendre, quoi. Excellent. Bah, parfait. Il y a une auto-save, en fait, mais elle est peut-être loin en arrière, comme très proche du bug, malheureusement. Ouais, ouais, non, mais c'est le problème, c'est le problème. C'est pour ça que je préfère enregistrer plusieurs fois, même si, bon, de toute façon, s'il doit y avoir bug, il y aura bug. Hein. Vari, quand t'écris Vari. Avec un I. Ah non. Boîte à fougère. Ah, à fourrage. J'en mets une ici. Tac. J'en mets une autre là. Parce qu'ils vont être nombreux. Oh, et c'est vrai qu'ils vont être beaucoup. J'en mets 3. Et j'en mets une autre ici. Ils vont être 12 000 dans l'enclos. J'ai pas mis à manger. Je vais pas mettre de plateforme. On s'en fout au final. Ici, il faut que je mette des carreaux aussi. Hein. Attention. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Parce que sinon on voit rien. Dans l'autre sens. Parfait. Parfait, parfait. Habitat. Faut que je traite l'eau. Je vais mettre un peu d'eau un peu partout. Ils vont être tellement nombreux. Oh la vache, ça va être une galère. Je vais mettre 12 personnes à l'intérieur. Hein. Ah, je vais peut-être pas mettre full ça en fait. Peut-être ajouter ça. Bon, ça va. Si l'eau est propre, de toute manière, ils vont boire dans l'eau. Quoi? Oui, c'est ça. Ah, c'est tout petit ça. En même temps, c'est pour les varis et les lémurs, quoi. Bah, de quoi ça sert? Bon, je vais en mettre un. Parce que si j'en mets un, là, ça fait quoi? C'est pas gênant. J'en mets la note ici. On va leur mettre des jouets. Ah, le piano, j'ai envie de le mettre en haut à chaque fois. Je remets un en haut. C'est trop bien de jouer du piano en haut. Là, les gens vont passer, ils vont dire qui c'est qui joue. Hop, ils vont lever la tête, il va y avoir un Lémur. Ou un Vari. J'en mets même deux, comme ça, s'ils veulent faire un concert. On est pas mal. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Bon, en niveau optimisation, on doit pas être si mal. Après, ils vont être tellement nombreux qu'il va m'en falloir masse, je pense. Bonus intérêt espèce 20%. Est-ce que tu te rends compte qu'ils sont là ou Quoi? Bah c'était qui toi? Les murs. Bah il y a des varis, gars, ils sont là. Toi tu te sens bien toi? 20%, il faut plus encore. Ça va arriver hein. Enfin je sais pas ce qu'il fait lui. Andri. J'ai appelé un soigneur tout de suite dans l'enclos. Salut Masterpanda, j'ai le pire bug sur mon zoo, ça me rend fou. J'ai ouvert un ticket à frontière, j'espère qu'ils vont me rep. Quel bug t'as? Parce que ça, on est d'accord que c'est full haut à chaque fois. Illimité, volume actuel. Faut que je mette un traitement d'eau. Faut que j'y pense. Je vais le mettre maintenant. Service. Traitement d'eau. Ah mince, j'avais dit de faire prolonger la rivière. Ah, j'avais zappé ça. Ah, attendez, je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube parce que ça va commencer à être long. Bouge-toi. Mets-toi là plutôt. Pour l'instant. Vire-moi ce bout d'allée. Terrain. Hop, 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 hop. On va s'arrêter là pour la vidéo YouTube, hein, parce que ça frise. Au moins, on va faire en sorte que ça, ce soit bon. Je m'occuperai de la rivière après. Et prochaine vidéo, du coup, on va se lancer sur l'enclos mandril ici. Et on va voir au fur et à mesure tous les murs et varis commencer à peupler cet enclos gigantesque, certes, mais nécessaire, vu qu'ils vont être une soixantaine, quoi. Tu vois, il faut déjà 830... Ah non, 68. Ça va, là. On va être bien. On va être heureux, regarde ceux-là. Il galope. Le petit Vari. Nandria Nina. Olé, ça grimpote. Ah, il passe à travers. Continue de grimper, vas-y. Regarde tout ce que t'as. Mais t'as de l'espace partout. Tu peux escalader comme tu veux. Tu veux que je te fasse un tremplin, là? Élan, tu sautes là-bas au bout? Oh! Ça n'a pas servi à grand chose, mais c'était impressionnant. Bravo. Bravo, bravo. Du coup, merci beaucoup Twitch d'avoir été là sur cette vidéo YouTube. Merci à... bonjour, du coup, à Yudoku, à Glemsart, Masterpanda, Vigie, Rexy, Fabucheco Choco, Glemsart, oui, c'est dit, Epsiluna, Jetta, Ayo, bisous tout le monde. Ceux qui ne sont pas sur le chat, évidemment, bisous à vous aussi. Bonne journée. Rendez-vous demain pour la suite sur YouTube de l'enclos... Enfin, le début, surtout, de l'enclos. Okay. Mandril, mandril. C'est ça, mandril. Bisous à tous, bonne journée. Et à la prochaine, Edjo. Allez, ça, cette démarche surprenante.